Allez. Allez, dernière date. Ce mini Japan Tour. À Kyoto. Bon, j'ai fait le son check et c'est du coup la troisième salle. Je vais le monter à l'envers, ce petit tour. Je vais commencer par la dernière date parce que j'ai pas parlé sur les autres. Et en fait, à chaque fois, il y a un Marshall JC20, je sais pas, j'y connais rien en Marshall, mais un gros Marshall et un Roland. C'est tout le temps les deux mêmes amplis, donc moi, vu que j'utilise trois amplis, c'est nickel. Et l'ampli basse, c'est un Hardcore ou un SVT. Du coup, pour se régler, c'est assez cool parce que tu prends en photo tes réglages et tu les refais dans chaque salle. Dernier concert, c'était cool.
Ah oui, j'ai une grosse couille aussi sur le l'alimentation de mon pédalboard, parce qu'ici c'est du 110 et moi je suis en 220, donc ça m'a quand même grillé un D-Day. J'ai branché comme un con en 220 au début, et après j'ai vu que sous mon power supply je pouvais modifier le voltage, donc ça m'a bien sauvé. Mais putain, au début faut y penser à ça. Donc j'ai joué mes deux premiers concerts sans pédale de delay sur mon clavier, voilà, c'est des détails techniques très intéressants. Et j'ai acheté un delay pour 30 balles, un Boss DD3 que je mettrai en vidéo, et qui avait l'air cool. Première fois que je testais ce soir, il sonnait bien, non? Ouais. Sur le clavier, ah, il faisait un gros écho, non? Ouais, gros écho. Peut-être j'ai un peu trop mis d'écho, mais bon, je l'ai même pas testé, je l'ai mis sur scène direct. Et mais il marchait avec une pile du coup, parce que j'avais pas de... Grâce à qui? J'avais pas d'alimentation, j'avais pas d'alimentation juste pour ma pédale en 110, donc j'ai mis une pile 9 volts, ça peut bien sauver au Japon ça, montrer que ça va. Et voilà, là on va aller écouter les autres groupes qui ont l'air bien cool. Tout mon bordel, il y a 2-3 vinyles, mon clavier là-dedans, mon booper et tous mes jacks, donc c'est beaucoup de jacks et d'alim, et le pedalboard en dessous, donc que dans des trucs pas rigides, sinon ça pèse trop de poids. Là je suis à 40 kg si je mets tout dans la même valise. Donc comment on voyage avec une Fender sans risquer de péter le manche? Les cordes, et grâce à un petit trix de Laurent Limoges, tac. Bon, après j'imagine qu'il faut leur ramener chez un luthier peut-être pour bien réajuster le manche. Moi j'ai joué comme ça là, en la remontant moi-même, ça marchait. Donc, on va dire que pour faire du grunge ça va, peut-être que pour faire du Manu Chao c'est un peu plus la merde. Et là, hop,
ça rentre dans la valise. Ask you why I feel like